marche encore ça? Ouais, c'est bon. On va reprendre du service. Salut à toutes, salut à tous, c'est Lundi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro... Alors attention, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je sais, vous pouvez m'insulter. L'épisode numéro 29. Donc, ouais, ça fait... Attendez, dernière vidéo, c'était 22 février. Là, je tourne, il est 13 mars. C'est-à-dire, c'est 4 semaines. Donc, je m'excuse. Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, pas mal de travail. En plus, le jeu, c'est examen et tout, donc... Donc voilà. Mais on va essayer de le finir ce jeu. Hein. Parce qu'au final c'est plus moi que ça fait chier que vous. Parce qu'au final, vous la plupart, vous avez regardé d'autres let's play ou vous avez fait le jeu. Donc vous savez la fin. Et donc du coup, voilà. On va essayer de faire ça bien. Alors sauf que ça fait du coup 4 semaines que j'ai pas touché une souris. Enfin que j'ai pas joué avec une souris, donc du coup. Je vais m'entraîner vite fait. What? C'est lui qui m'a fait mal. Ok. Ça devrait aller, je pense. C'est juste qu'il a une grosse armure, je trouve. Là, et même en critique, je lui fais pas mal. Pourquoi je fais pas de coup critique? En tout cas, je sais pas si c'était le cas la dernière fois, parce que bah, du coup depuis, de l'eau a coulé sous le pont. Mais nous sommes à plus de 3000 abonnés. Et je tiens du coup à tous vous remercier chaleureusement. Là, à l'heure actuelle où l'on parle, on est à 3095 abonnés. Et c'est tout simplement énorme. Voilà, je tenais à vous remercier. Alors, ce qu'on va faire du coup, on va un peu regarder. On a une quête à rendre dans le bureau de Jack, ok. On va pas faire ça tout de suite. Là, il y a plein de quêtes. Plein de quêtes. Et là, c'est la quête principale. Du coup, on va peut-être essayer d'aller là et voir ensuite ce qui sera le plus proche. On aura peut-être des véhicules d'ici. Merde. Courrier de touche. Car lui, j'ai bien envie de... Ok, la roquette descend. Ok, parfait. C'est facile, en fait, comme jeu, quand on a... On se roquette. Bon, allez, on va arrêter de s'amuser avec ça. Et on va s'approcher... du... des choses sérieuses. Genre, vu la chute, techniquement, il aurait dû mourir 3 fois. Mais bon. Soit, ça c'est quoi? Alors, on va le prendre. C'est toujours ça. Alors. Oh, il y a un petit morceau de pierre de lunaire ici. On va s'amuser à passer par ici. Alors, on doit aller par là. Sauf que, il y a plein d'ennemis. Que j'ai cru voir. J'ai cru en voir un. J'ai dû confondre avec une caisse. Hop. On va pas s'embêter. Hein. On va essayer de les passer rapidement, tous ces ennemis. De cette manière. Oh oh. Oh, il y a un truc qui explosait là. Puisque Zarp Machine est morte, je vais t'envoyer quelques porteurs. T'es en plein dans le viseur du canon de tir lunaire. Essaie de pas t'en prendre un sur le coin de la tronche. Ce serait moche. Pourquoi ces connards abandonnent pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait morte. Ils veulent pas déposer les armes, faire une pause et admirer le paysage? Ouf, oublie. On les tuera bien assez tôt. Ce sera splendide. Oh oui, je vais leur montrer. Ok, ça a pas l'air chouquette. Dégage. Ça, tu vas t'enfoncer dans une espèce de grotte extraterrestre ultra secrète? Ça a l'air sympa. Essaie de prendre des photos, bois pas l'eau du robinet et te laisse pas buter par les bestioles. Pas forcément dans cet ordre. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. Ah,
Alors, du coup, ça s'annonce compliqué parce que j'ai l'impression que mes armes ne font rien. Jour 38. Tous mes hommes souffrent d'une étrange éruption cutanée violette. J'ai également remarqué que la plupart d'entre nous étions étonnamment calmes. Demain, j'emmène une équipe dans le puits pour découvrir l'origine des vapeurs que nous respirons. Ok, donc ça fait pas du tout là. Je m'étais pas senti aussi bien depuis la mort de ma mère. Ah. Ça fait mal. La lune. Dégage. Doit tomber. Je vais prendre. Du coup là c'est un peu la merde. J'avais vraiment l'impression que mes armes ne font rien. Pourtant, j'ai rien fait de particulier. Oula. Ok. Allez. Ah, ok, parfait. Il y a plein d'ennemis qui tirent des trucs, des rayons laser. Mais j'ai l'impression que je peux m'en battre les couilles parce que j'ai l'impression que ça ne fait rien. Ok, lui il peut se régénérer. Bon, on va attendre du coup. Là aussi. Ah, c'est les éternels. Non! Mais il récupère toute sa vie ce bâtard. Allez, la grenade magique. J'ai plus de bouclier bientôt. Je vais attendre. C'est quoi ça? Allez. Parfait. Donc il reste un mec normalement. Je sais pas où il est parti. Là il est là. Encore un éternel. Et hop, la petite grenade magique. Mais c'est... Ok, c'est un peu bizarre. Dans le sens où... Ok, il y a des robots qui arrivent. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme... comme quête. Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que je reprends le jeu. Ah tiens, j'ai aussi quelques nouvelles concernant notre ami Borderlands de Pre-Sequel. Alors, l'épisode 2 va bientôt sortir, sauf que la traduction du 1 est toujours pas finie. Mais l'avantage c'est qu'ils ont avancé comparé à la dernière fois, et ils sont à 36%. Ce qui veut dire que c'est quand même une nette progression. Donc ça c'est cool. Donc ouais. Non, non, non. Oh. What happened? Eh, c'est un... un gardien. Protecteur de l'arche. Ah bah oui, bah du coup, ça veut dire qu'on est proche du... On est proche. Eh bien ici. Déjà mort. Voilà, ok. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des... il y a des gardiens maintenant. Comme dans Borderlands 1. Ce qui n'est pas forcément une super nouvelle. Ok. Oh, il n'y en avait pas qu'un en fait. Ok. Donc oui, ils sont à 36%, donc ils avancent petit à petit. Autre nouvelle, c'est que il y a... attendez, je regarde juste où se trouvent les autres quêtes. Okay.
Une autre nouvelle, c'est que donc du coup il y avait déjà un DLC de Borderlands The Pre-Sequel qui était j'ai dit de la merde en fait tout à l'heure, c'est pas The Pre-Sequel, c'était Tales from Borderlands où ils sont à 36% et qu'il y a le deuxième épisode qui va sortir. Je crois que j'avais confondu. Et ouais, donc là The Pre-Sequel, il y avait déjà un DLC qui était sorti et là il y a un deuxième qui va sortir. Donc, je sais pas si vous avez suivi un peu ce que ça sera. Je l'ai partagé sur comment ça s'appelle, sur Twitter et Facebook. C'est en gros, ça va se passer dans le comment ça s'appelle, dans Claptrap en fait, voilà, tout simplement. Après 4 ans, notre veille a aujourd'hui été brisée par une intrusion. Des observateurs d'Hyperion à la recherche d'une arche. Ce ne sont que les premiers. D'autres suivront à coup sûr. Notre secret est menacé. Voilà. Bonne nouvelle, John. C'est fini. Et cette fois, le conseil est avec moi. Tu es renvoyé. Prononcez un mot de plus et je prendrai tout mon temps pour vous tuer. Qu'est-ce que... Ça en fait trois. On se parle bientôt. Jack en position badass. Hyperion, à l'attaque. On dégaine. Il y a un paquet de saloperies extraterrestres étranges par ici. C'est plutôt bon signe, tu crois pas? Oh là là. Ça veut dire qu'il y a un truc vraiment cool qui m'attend un peu plus loin. Voilà. La grenade magique. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont relous parce qu'ils peuvent récupérer toute leur vie d'un coup. Du coup, c'est pas chouquette. C'est pas très très chouquette. Hop, quelques munitions. Ah, là, il y a un autre journal écho. Merde. Déjà perdu. Ouais, tu vas dans la bonne direction. En gros, t'as qu'à suivre l'énorme trou violet. Continue comme ça. Jack. Jack, tu fais chier. Du coup, on saura jamais parce qu'on peut pas les réécouter. Fuck. Ben, en gros, elle disait qu'elle avait déjà perdu, mais on saura pas plus. Désolé. C'est la faute de Jack. Hop. Ah, là, on change de zone. Alors, est-ce que je change de zone direct? Parce que le souci, c'est que là, il y a des quêtes secondaires à prendre. Il y en a 3. Si je me trompe pas, ouais, 3 seulement. Sauf que... Bah, allez, on s'en fout. Allez, on s'en fout, on va faire ça. Tant pis si c'est la fin du jeu. Je les ferai après, même si ça n'a plus trop de sens. C'est bien. Essaie de voir où ça mène. J'abandonne. Évidemment. Allez, tue-le. Mais pourquoi? Ça me donne envie de danser. Il a vraiment cru qu'on le laisserait filer. Il était là. Ouais, je vais changer de vie, manger des légumes vapeur, terminer mon roman et tout. Et là, boum. Oh, quel pauvre type. Oh, c'est bien fait. Eh ben, ça remonte le moral. J'ai bien l'impression qu'on a trouvé notre entrée. Alors, voyons voir un peu cette histoire. Il y a plein de trucs verts, violets. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est marrant de jouer le méchant. Allez. Ah oui, c'est une belle arche. C'est un vaisseau. RKS. Mais c'est quoi ce truc? Ils comprennent vraiment pas? Ils sont déjà foutus. Chasseurs de l'archipel, ouvre le feu! Hors de question, Roger! Abat-moi ce salopard et roule-toi dans ces boyaux comme un petit animal heureux. On combattra ça jusqu'au dernier!
Désolé, j'ai pas écouté. Tue-moi son faut petit que cadavre. Je veux aller, faut pas qu'on perde. Je vous laisse les écraser un peu. Je pense que je dois pouvoir rejoindre l'arche maintenant. Tu veux vraiment que j'abatte ce vaisseau? Non. Tu laisses un seul ennemi en vie et il te tirera dans le dos. Je ne veux aucune surprise. Je ne veux aucun survivant. Fais-moi exploser ce vaisseau et que ça saute. Je te trouve de plus en plus séduisant. L'avantage, c'est que comme j'ai une arme acide, bah ça fait beaucoup plus de dégâts. Ah ouais, mais s'il y a les gardiens qui se mettent à venir, okay. Moi je me casse. Hein. Allez. Je l'ai presque. Ah non, tu pars pas. Tu n'as pas le droit. Aïe. Je vois plus rien. Génial. Ok. Attention, atmosphère détectée. Wow. Tu te cacheras pas longtemps. La persévérance. Hey Jack, ça va être un spectacle. Sans relâche. Continue. Je te retrouve là-bas. On approche du but. Oh, wow, tout là. Oh oui, je le sens. Mes boucliers. Et là, là, ça va faire plaisir. Avant que Roland et Lilith nous coiffent au poteau. Alors pourquoi ça fait plaisir? C'est parce que... Oula, parce que je vais mourir. Allez. Merci. Et là, je sors le bazooka. Et j'assure le coup. Je sais pas qui tu es, toi. Allez hop, je clean tout au bazooka. Et c'est bon. Je me remets un peu d'oxygène. Et on est parfait. Du coup, combat plutôt simple. Donc, comme, ce que je voulais dire, c'était que du coup, bah, une arme acide sur un robot ou sur un truc en métal, en général, ça fait plus de dégâts. Donc du coup, c'était cadeau. Voilà, on a plein de trucs. Toc, 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 allez. On récupère tout. Enfin, tout ce qui est intéressant, du moins. Déjà, tout l'argent. Là, il y a un sniper. Est-ce que ce sniper est bien? Oui, il est mieux que mon actuel, donc hop. Réduit la santé. Bah non, du coup, c'est pas intéressant. Vu que j'ai déjà un bonus pour la... la régénération du bouclier rapide. Du coup, bah, le seul truc que ce bouclier pourrait me donner, c'était... comment ça s'appelle ? C'était la capacité. Hop, un nouveau pistolet. J'en avais bien besoin. Encore un ici. Ouais, mais pas très précis celui-là. Je vais le prendre au cas où, mais... Ok. Du coup, je sais pas ce qu'il faut passer par là. Exact. Côte de Tichot. Qu'est-ce que la côte de Tichot? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Putain, le sol est bizarre. Je suis pas fan du sol comme ça tout brillant. Mais ce truc là-bas est vraiment moche. Il fait... Bah, il va pas avec le reste de la salle. En fait. Ok. Alors, on va vendre des trucs qui ne servent à rien. Genre... ça. 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 Ça, ça sert à rien. Si j'ai des boucliers, ça sert à rien. Ça non plus. Ça, on va garder au cas où. Ok. Ah, il y a des quêtes secondaires ici. Ouais, du coup... pourquoi j'ouvre tout ça? Je suis full munitions, j'ai droit à acheter.
Missile sol-air de Dull. Là, il y a des gardiens. D'où les gardiens et les mecs de Dull sont copains. Ça a aucun bon sens. Voilà, je suis en mode repérage, mais je crois ce que je vais faire, c'est ça. Ça. Voilà. C'est beau. Ok. Oh. Ah merde, il passe à travers la porte. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça non plus. Aïe 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 aïe. Hop, c'est un peu rapide. Ah c'est ça, il s'est remis full life, ce salaud. Ça c'est une technologie iridienne, les boules de lumière. Parce qu'il y avait dans Borderlands 1 des armes, les armes iridiennes qui lançaient des trucs de ce genre, des boules de lumière. Ok, un de moins. L'autre est là. Voilà, parfait. Ah oui, j'ai un point à mettre. On va pas l'oublier. Hop, du coup, bientôt, je pourrais avoir... fini un arbre. Je pourrais avoir fini un arbre. Du coup, c'est cool parce que... Ben, généralement, les capacités... Tout au bout des arbres, c'est des trucs plutôt puissants. Je suis bloqué comme un débile. Allez, saute. Bon sang, regarde-moi ça. Cet endroit est vraiment génial. Je veux dire, qui ne se battrait pas pour récupérer un bout de ce qu'il y a dans cette arche? Ou tout ce qu'elle contient? Ok, bon, on va descendre. Ça fait vraiment beaucoup penser au 1. Ouais. Genre, il est pas mort. Putain. Ok, il a explosé et du coup ça a tué son copain. Why not? Je vais pas me plaindre. Mais tout ce côté genre vertical avec des trucs où il faut descendre comme ça. C'est vraiment... Ah, comme dans le 1. Là-bas, il doit y avoir des ennemis. Exact. Genre, il n'a pas été touché. N'importe quoi ici. Ouf, dans la tête. Bon, j'arrive pas à péter le tonneau du coup. Ah bah voilà. Non, 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 non. Chier. Comment éloigner un ennemi? Vous lui faites un petit dash.
Bon là ça a complètement gelé mais... Il voulait s'approcher, je lui ai fait un petit dash, ça l'a reculé, étourdi, et bim, bim, des balles dans sa tête. Hop, ok. Je sais pas du tout combien de temps de vidéo on est. Si on est trop long, je vais couper sauvagement la vidéo. Sans vous dire au revoir. Parce que comme je sais pas à quelle heure j'ai commencé, je peux pas... Un bouclier iridien nous bloquait le passage. On l'a mitraillé, mais ça n'a rien changé. Alors on a pris un plus gros flingue. C'était loin d'être parfait, mais en faisant vite, on avait le temps de passer par la brèche avant que le bouclier ne se reforme. Faut que je vois du coup. Ok, ce petit bout de sel ne sert à rien. Tu es où là ? Hop. N'empêche, au final, c'est toujours Hyperion qui, entre parenthèses, qui finit assez fin, parce que, genre là, on combat Dal. Oula. On combat Dal. Et donc, bah, vu comment on leur met cher, je suppose que c'est Hyperion qui va gagner. Du coup, là, c'est Hyperion qui gagne. Dans Borderlands 1, c'est Atlas qui veut l'arche, mais on les arrête. Et là, on a vu que Hyperion a quand même réussi à récupérer l'œil du défenseur, le destructeur ou je ne sais quoi. Du coup, Hyperion a en quelque sorte gagné. Et dans Borderlands 2... Oh. Oula, raté. Dans Borderlands 2, bah, là pour le coup, on les arrête. Mais ils étaient proches du... Enfin, ils ont quand même réussi à réveiller le défenseur, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup c'est plutôt drôle. Allez, meurs, suppôt de Satan. Parfait, c'est pas compliqué, ça va. Ah. Encore des trucs qui volent. Voilà. Un autre ennemi par là. Ah, il est là. Waouh. Ok, on va faire un truc. Il ira pas plus loin. Voilà. Bon, et comme dans le 1, une fois leur bouclier tombé, beaucoup moins dangereux. Allez. Toi tu vas mourir. Voilà. Toi aussi. Tu bouges pas mais tu vas mourir aussi du coup. Quelle idée de pas bouger. Bon, c'est un peu la merde. Moi, je me casse. Bon, ils veulent pas que je me casse, ok. Voilà. Bim. Coup de fouet. Ok, lui est mort. Il reste plus que l'autre électrique. Ah, il est devenu corrosif, très bien. Et il est devenu mort. Ça, c'est fait. Au suivant. Alors là, il y a une quête. Elle est pas vraiment à côté, non. C'est quoi? On dirait comme une sorte de bouclier. Un bouclier qui nous bloque le passage. Un bouclier qui ne me plaît pas. Donc, ok, il faut que je fasse tout moi-même. Trouve un moyen de t'en débarrasser. Très bien. Donc d'après le journal, il faut une forte puissance de tir. Hop là. Une grosse puissance de tir pour faire une brèche et avoir le temps de passer. Alors je sais pas où je vais trouver ça ici. On va voir. Je vais recharger avant de tirer.
Dommage. Ouais, c'est quoi ces petites boules? Bim. Ah oui, si. Oula. Ok, tac tac. On recharge toutes nos armes parce que bah, c'est toujours mieux d'avoir des armes rechargées. J'espère vraiment que le son est bon. What? Ok, d'accord. Pas moyen de trouver un ennemi au loin. Non. Donc faut faire gaffe aux arcs électriques en fait, ça tue. C'est, ce serait une bonne idée quand même de faire gaffe. Au pire je vais arrêter la vidéo là. Soit ça fera un gros épisode, soit ça fera deux petits. Enfin je sais pas trop. Mais je vais l'arrêter ici, devant ce truc électrique là. On va faire attention quand même. On va s'arrêter ici. Hop. Donc du coup, j'espère que ce ou ces épisodes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et tout ça, tout ça. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Enfin, moi tout de suite, mais vous, ce sera dans le prochain épisode. Sur ce, ciao, bye bye. Oh, bordel. Putain. Mais au moins, ça va. À résoudre les problèmes les plus simples. Ne vous en faites pas.